Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo en compagnie de Myriam. Ouais, les gars, aujourd'hui on reprend le concept des prénoms. Yeah. Vous avez vu la vidéo précédente, on a fait le prénom Younes et le prénom Myriam. On a pris des prénoms abonnés. Vous avez dit en commentaire de mettre votre prénom. Il y en a plein qui l'ont mis, plus de 700 personnes. Et on a choisi deux prénoms au hasard. Myriam, t'as choisi quoi comme prénom? J'ai choisi le prénom Imran. Et moi, j'ai choisi le prénom Mohamed. Donc aujourd'hui, on va devoir manger les lettres Mohamed et les lettres Imran. Moi, j'ai pas trop choisi, je suis très au pif. Et on a avec Yacine aussi. Ah, vous m'avez pas oublié cette fois-ci. Salam alaikum, j'espère aussi que vous allez bien. Pour les premières lettres de vos prénoms, donc Younes, la première lettre c'est M et toi c'est I. Vous allez devoir prendre un fast-food qui commence par M et par I. Un fast-food de notre choix? De votre choix. Ouais, ok, vas-y. Le I de Imran, il faut que je trouve un fast-food. Ok, tu peux prendre. Île flottante. Un fast-food, concentre-toi. Un fast-food. Île Maurice. Ah non, c'est un pays. Iguane. On va taper sur la barre de recherche un truc qui commence par I. Ah ouais, j'avoue, on met I dans la barre de recherche, c'est qu'il y aura plein de restaurants. I cappuccino. Stop. Indien. Bah oui, manger indien. D'Italiens. Des pizzas. Istanbul pour un grec. Ah ouais, Istanbul, il y a plein de grecs qui s'appellent Istanbul. Attends, on va voir Istanbul si ça. Du coup, tu vas prendre quoi dans Istanbul? Bah, je vais prendre un grec. Un sandwich. Un chicken. Pourquoi un seul? Parce que c'est Istanbul, elle a le droit de prendre qu'il y a un sandwich. Un chicken au four. Ok, pour les poissons, je peux pas prendre. Oh, Lipton Ice Tea. Ah ouais, boisson, il y a pas de boisson en I. Ice Tea. Ice Tea, c'est en I, Myriam. Oui. Non, mais c'est pas comme ça qu'on écrit pas de frites. Laisse-la écrire comme elle veut. C'est compliqué, Yacine, l'école avec elle. Oh, regarde, il y a marqué quoi dessus? Il y a marqué Yacine. C'est-à-dire, on a khalas avec le compte à Yacine. Je suis désolé, les gars, mais j'ai été obligé. J'ai khalas avec son compte. Qu'est-ce? Eh, mais par contre, je te préviens, regarde-moi. S'il y a des frites ou un aliment qui commence pas par le I, je prends le Istanbul et je le mange. Oh là là, les gars, elle mange ça dès le matin. Comment ça, une canette? Attends, fais voir ça, s'il te plaît. Le I, ok. Il y a un I dans le frite. Mais ça commence par F. Ça a commencé pour le premier fast-food de la vidéo, pour le Imran, le I. Younes, faut qu'on mange vite. Mais pourquoi, il y a quoi? Parce qu'il y a le chat, lequel je vous explique. En fait, il y a un chat depuis quelques jours, il vient chez nous. Et s'il voit qu'il y a un kebab, il va vouloir nous attaquer. Ah oui, je vous promets, il arrive toujours du toit là-bas. Il vient, il met des gros coups de boule à la porte, il fait grave peur. Mais je sais pas ce qu'il a, ce chat. Maman, elle lui dit de pas donner à manger parce qu'il est bizarre. Vas-y, mange, bismillah. J'avoue, s'il te voit avec un grec, les gars, il va nous attaquer, je pourrais rien faire. Oh, le fromage qui dégouline, bro. C'est. Je suis mort, c'est parce que t'as voulu prendre des frites. Entre tous les sandwichs qu'il y avait à Istanbul, elle en avait droit que un et elle a pris un sandwich au chicken. Franchement, t'as fait le bon choix, je pense. Ah, le fromage au milieu. Bon, attends, sale gourmande. Regardez, les gars, ils ont blindé le fromage. Tu fais un croc. Oh là 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 là. Le chat, miaou miaou, viens l'attaquer. Par contre, tu me passes la barquette de frites, je rigole pas. Non, mais tu me la passes, tu la mangeras pas en vidéo. Je vérifie bien les mecs parce que c'est. Moi j'ai pas envie de. Voilà. Là ça fait un petit moment qu'on fait des défis sans tricher. Fais voir les sauces. Faut que ce soit I. Mais qu'est-ce qu'elle fait l'abeille? Elle est bizarre ou quoi? Ça rien si on peut pas manger les sauces. Alors pourquoi tu m'as commandé un kebab? Je respecte pas le challenge. Les gars, vous avez déjà vu un iced tea framboise? Toi t'as que des canettes inédites. Genre on dirait c'est toi la première testeuse des nouvelles canettes. C'est pas faire ça? C'est une dinguerie normalement. Les gars, on dirait aux fruits des bois. On dirait l'été là. L'été fait maison. C'est incroyable. Ah les gars, si vous la trouvez, achetez-la pour tester. Je vous promets, si les gars, il vient le chat, c'est un chat blanc. S'il vient dans la tournée, je vous le filme. On a dû s'abriter, Younes. Je sentais que le choix il était pas loin. Je sentais, hey, tu vas nous montrer ton repas toi. Je vais aller faire mon repas, tu vas voir, t'es pas prête. Un repas plutôt inédit. Pour la première lettre de Mohamed, moi c'est le M et j'ai toujours rêvé. Non. J'ai toujours rêvé de goûter un mafé. C'est un plat africain. Je vais voir s'il y a des restaurants qui font ça. Personne n'a déjà goûté. Tu prends du couscous pendant qu'il y est. Mais non, mafé, Mohamed. Mafé poulet, yes. 17 euros. What? Mais c'est du poulet en or. Vas-y, on va commander. Il y a quoi comme boisson? Il y a pas de M. C'est pas grave les gars, on va commander du mafé, on va voir ce que ça donne. Le mafé est là les gars, je suis trop content depuis le temps que je voulais goûter, c'est une masterclass. Sachez que nous les Algériens, Marocains, Tunisiens, on a le couscous, les tagines. Nos frères sénégalais, les Maliens, etc. Ils ont le mafé les gars, ils mangent ça. Et moi il y a personne, il y a aucun ami qui m'a invité chez lui et que sa maman prépare un mafé. Donc là on a un mafé les gars. Poulet, riz avec des petites olives et là on a une sauce. Je précise, comme en Algérie, etc. Il y a plusieurs types de couscous, il y a ce couscous merguez, boulette, etc. Donc là j'ai eu cette sauce là. Un abonné qui est malien ou sénégalais ou quoi, et sa maman a fait un bon mafé. Vous m'invitez, je viens. Je veux goûter. Regardez-moi, les gars. Oh là là, ça, c'est des vrais repas, mon pote. Commence par le poulet pour voir s'il est bon. T'as pas un croc, prends pas avec tes doigts. Mais si, je crois avec mes doigts, je fais un croc comme ça, je vois si le poulet, il est bien tendre. Bismillah. Il est bien doux. Il est bien doux. Je viens de le mettre dans la bouche. Ça glisse. J'ai pas besoin de croquer fort. Est-ce que ça fond? Ouais, ça fond. Pas besoin de faire des gros coups de dents. T'as vu si t'as plus de dents? Ça, c'est impeccable. On va faire la bouchée parfaite avec la sauce. De base, ces olives, c'est pas ce qu'il est. Le riz, il est. C'est des plats réconfortants des mamans. Maman, fais-moi des mafés, stop. C'est trop. Hey Liliane! Quoi? T'as commandé le purité avec mon argent? Yacine, il y avait marqué Yacine sur le paquet. Moi, je rigole avec vous! Non, mais c'est pas de moi. Elle m'a demandé un grec, c'était ton compte, c'est pas de ma faute. C'est pas qu'à manger. Oh, wesh. Mais c'est quoi ça? C'est des dinars! Le monde est méchant. Mais ça marche pas en France!
100 euros. Non, Yacine, je sais pas, moi je sais pas, elle m'a dit de prendre un grec. Pourquoi elle me donne des dinars? Pourquoi, mais il y a combien de dinars? 1000, 2000, 3000. Il y a 6000, je pense même par terre, il y a un billet. 4000, 5000, 6000. 6000 dinars. Tu me dis pour moi? Eh, t'as mis bien. Oh là 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 là. Il sait pas que c'est que 2 euros. Il sait que 2 euros. Eh, Yacine, c'est même pas 2 euros. Quoi, ta balance? Eh, hey, comment ça, c'est 2 euros? Dis Siri, combien font 50 dinars? Ça doit faire 4 centimes. Mais vas-y! Puisque c'est comme ça, je vais aller au champ, c'est moi qui vais acheter la suite des lettres de son prénom. Parce que c'est fini, toi. Tu vas plus profiter aujourd'hui. Non, 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 ça va pas se passer. Aïe, ah, bah, j'ai un blocage. Ah, bah, reste, ça, c'est, je t'ai dit que quand tu fais des trucs bizarres, punition direct. Ah, vas-y, tu viens avec moi, on va au magasin. Vas-y, t'achètes pour elle. Yacine, t'es sûr de ce que tu veux faire? Myriam, elle a déjà fait le I, on est d'accord. Ouais, elle a fait Istanbul. Là, c'est le M. Ouais, c'est le M. Le M, il y a quoi? Dans les pâtisseries, c'est les trucs. Comment, mais pourquoi tu commences par pâtisserie, ça le fait? Maman, non. Maman. Macaron, bah oui, macaron. Macaron, mais non, mais pas des macarons. Quoi? Mais c'est claqué des macarons. Vas-y, pas des macarons. Dis-moi une idée alors. Mochi. Mochi, ah j'avoue. Chinois, mochi chinois. Macaron ou mochi? Mochi. Myriam, regarde bien la vidéo, c'est moi qui t'ai aidé. C'est ça, mochi? Ouais, c'est ça, regarde, t'as mochi, vanille, chocolat, tout ce que tu veux. Chocolat pêche. Ouais, ouais, on va prendre ça. Pour ça. Le M, ok. R comme ravioli, donc là on a des légumes pour Myriam. Ah, va t'insulter. Parce que, mais oh si, la je sais la pas, la. C'est pas de ma faute. Tu sais très bien qu'on doit manger halal. Mais prends-lui des purs bœufs à la bolognaise. Ah ouais, c'est pas halal ici. Très bœuf, nous on mange halal. Et ça, c'est aux légumes, donc c'est carré. Ravioli aux légumes. Arrête, faut manger un peu de légumes un peu dans la vie, hein. Je suis désolé. Hein. Pour la lettre A de Mohamed, je voulais prendre des abricots. Après, elle allait m'insulter parce qu'elle est pas trop. Bah, t'as qu'à prendre des. Je vais prendre. Non, écoute. Je vais prendre un aliment de la marque Auchan. Ça commence par un A, c'est carré. Là, on va se diriger sur des bonbons. Mais ça, genre, tu peux pas, genre, choupa choups, nanana. Non, marque Auchan, regarde. On a ça, marque Auchan. C'est où la marque Auchan? Moi, je te crois. Là, pas. Tu vois pas le pigeon. J'ai retourné, c'est pas qu'il y a marqué Auchan sur la boîte. Sinon, moi, je le compte pas, c'est mort. Oh, t'as un rat, toi. Hein. Là, ouais, Auchan. Auchan, et du coup, c'est des bonbons. C'est des bonbons, elle va kiffer. Là, elle va kiffer, c'est une valeur sûre. Pour le N, j'ai une bête d'idée. Le N. On va lui prendre du néaner. Mais ça se vend pas le thé. Mais non, c'est pas du thé, du néaner. Les plantes de néaner. Juste derrière. Si tu racontes. Ok, donc prends des nounours. Je t'ai mis devant les nounours. Des nounours. Okay, c'est des moi qui ai eu l'idée, Myriam. Celle-là. Les moins chers. Toi, Emile, je te promets, toi, tu veux me faire aujourd'hui. Hein. Là, on est sur la dernière lettre et je vais prendre la pâtisserie mythique en E. Quoi, à votre avis? Éclair au chocolat. Ah ouais, éclair. Prendre un éclair, n'importe quel goût. Oui, mais chocolat, ça aurait été mieux. Mais là, c'est des. Mais si, il en reste un. Oh, il en reste un. Ah, mais c'est au café, Rey. Elle va aimer le café, Younes, elle va aimer. Éclair au café pour Myriam, pour le E, ça va. Quoi? Hey, tu m'as énervé à commander avec mon argent. Maintenant tu te tais et tu manges ce que je te prépare. Imran, le M, on a quoi? On a mochi. Oh. Je t'ai pris des méga mochi, des mochi. J'ai changé la boîte, j'ai changé la boîte. Ouais, j'ai pas pris les deux petits, la sauce à le crevard, il allait lui prendre que deux petits, du coup je t'ai pris toute la boîte entière. Je sais pas, ça sert à quoi ça mochi? C'est ça un sert... dessert, je crois. Mais ça c'est que pour les vidéos, ça sert à rien dans la vraie vie. Tu dirais un gâteau arabe. Mais n'importe quoi, c'est pas un gâteau arabe, y a pas du miel dedans. Le monde est méchant. Oh, c'est fourré. Mais je rêve, tu vas m'en laisser. C'est du chocolat ou de la pâte de date? Oh, tu vas m'en laisser, Myriam. Wow, oh. Non, ça marche pas. Regarde, trop. C'est la pâte de date. Hey, les mochi, c'est arabe. Tu vois un arabe dire salam alaikum, je veux un mochi. Tu recoutes une fois pour voir. Elle a tout mis dans sa bouche, Yacine. C'est une masterclass. C'est pas comme la vidéo. Regarde, c'est pas comme ça. Ça devait être dégouliné, là. Ouais, mais c'est toujours comme ça, Myriam. C'est comme dans la vraie vie. Les gars, c'est super bon. J'aurais préféré des macarons. Mais voilà, je te l'avais dit, toi. Des macarons. Je te l'avais dit. Prochaine lettre, les amis, pour Myriam. Je lui ai concocté ravioli. Et ça, c'est la base, les mecs, les raviolis. Tu nous diras à l'intérieur, il y a quoi? Ouais, tu nous diras, c'est quoi le goût? C'est à quoi? Bah, aux épinards. On va voir, les gars, si c'est aux épinards. Oui, c'est aux épinards. Ah ouais. Ah ouais. Alors, explique-lui pourquoi. Attends, déjà, avant de commencer, est-ce que tu trouves ça bon? Okay. Oh, Myriam qui mange des légumes! Masterclass! Alors pourquoi elle a pris des épinards? Il y avait des raviolis au bœuf ou au porc et c'est pas halal. Je crois qu'elle aime bien Yacine. Du coup, elle a pris aux légumes. Oh, je crois qu'on a trouvé une méta technique pour que les gens ils mangent des légumes. Vu que c'est trop chaud, je passe à la prochaine, le A. On a concocté pour Myriam des artichauts! Mais non, toujours c'est comme ça, êtes fou là! Mais c'est toujours comme ça, avec vous je suis puni! C'est ça, je suis puni! Rigole, reviens, c'est pas vrai, c'est pas des artichauts! À la place des artichauts, je t'ai pris. Des bonbons! Ouais. Ah, des mini. Ah, il y a marqué quoi? Mini pocket, on s'est trompé! Si, parce que c'est la marque Auchan, regarde. Ah, il y a différents goûts, les gars. On a framboise, on a citron, on a coca. C'est une dinguerie, comment tu vas choisir? Est-ce que dans les commentaires, vous connaissez une personne dans votre entourage qui s'appelle Imran? Moi, je connais dans ma classe. Ah ouais? Ouais, dans ma classe. Même nous, au foot, tu sais, il y en a un qui s'appelle Imran. Ah oui, un entraîneur. Incroyable. Mais d'ailleurs, tu penses, Myriam, un Imran, il aurait pris quel goût? Des coca. Logique, comme tu penses, moi je pense pas, hein. Moi je pense Imran il aurait pas pris ça, Yacine. Moi je pense qu'il aurait pris les crocodiles. Ouais, les crocodiles. Les crocodiles c'est la base. Sinon les gars, pour vous, est-ce que la marque Auchan c'est aussi bon que les bonbons de la boulangerie ou alors que les bonbons genre de marque pour vous? Les gars, les bonbons de la boulangerie ils sont plus moelleux alors que ceux-là, regardez, ils sont durs. Mais à chaque fois qu'on va, on prend un euro de bonbons, il y en a jamais autant que ça. Hein. Moi je dis c'est du sucre frère, c'est tous les mêmes les bonbons. Ok, ouais. Je goûte, on va voir si elle c'est une vraie spécialiste de bonbons, les gars, on aura bien son avis. Ceux-là ils sont
plus durs, alors qu'à la boulangerie, ils sont plus mous, ils sont plus savoureux. Je mettrais 8 parce qu'en vrai, il manque juste le goût. Wow. Elle a dit, je mettrais 8, il manque juste le goût. Bah, mais zéro, frère. Ouais. On va passer à la lettre N de Imran avec des nounours en chocolat. Oh, c'est trop bon. Juste ici. Voilà, donc on va pouvoir déguster les nounours en chocolat. Regardez, en gros, c'est un nounours qui est fourré. Mais attends, tu peux l'ouvrir, ouvre-le. Ouvre-le. Il est fourré, les gars, au chamallow. Ça me stresse les trucs comme ça. Moi, je pense que c'est mieux de le bouffer tout cru. Okay, pourquoi vous le démembrez comme ça? Bouffez-le. Oh là là. T'as vu, il y avait ça où? Ouais. Ma grand-mère. Ah oui, c'est vrai, parce que ça coûte 1€. Non, je rigole. On va te retrouver, tu vas voir qu'est-ce qu'on va te faire. On va t'enfermer. Vincent, du coup, est-ce que tu valides ou pas? T'as vu, vous m'avez fait un coup de crasse. Valide, sauf un grand petit peu les mochis. C'est lui. Moi, je devais prendre des macarons. La dernière lettre du prénom, Imran. C'est un E, on a pris un éclair. Oh, au café. Regardez pourquoi j'aime bien les éclairs au café. Parce que le café, j'aime pas ça. Enfin, si, j'aime bien des fois. Quand il est bizarre un petit peu. Mais en vrai, les éclairs au café, c'est bon. Dis-toi, c'était le dernier éclair de tout le rayon. Alors, est-ce qu'ils l'ont bien? Oh oui. Wow. Je dis oui. Une pâte à choux avec un ganache au-dessus, glacé, sucré à la folie. Excuse-nous, le connaisseur. Et à l'intérieur, le matin, quand tu te réveilles à 7h du matin avec tout le monde qui boit comme ça. Qu'est-ce qu'il y a là? Je sais, c'est parce que quand tu manges trop de sucre, tu deviens fou. L'éclair, il est incroyable parce que. Des fois, les enfants ils aiment pas, mais goûter un éclair au café, vous allez voir que c'est mieux. Il y en a qui disent ah, c'est dégueulasse. Donc, si je récapitule, t'as réussi à lui faire manger du café et des légumes. Ouais. Regardez, c'est lui. Toujours il vient, il veut nous agresser. C'est un tigre ou un chat. Arrête, il va vous attaquer. Et les gars, ceux qui connaissent les chats. C'est un chat marron que la voisine elle a perdu. Oh, non, je pense pas. Eh, dites-moi si vous pensez que c'est un chat agressif ou pas. À chaque fois, il reste comme ça, il nous piste. Je sais pas ce qu'il veut. Et moi, j'ai grave peur de ce chat. Non, Yacine. Mais Yacine, qu'est-ce que tu fais? Véris. Je t'ai dit. Il s'est mis en position. Oh, regarde, wow. T'es ma. Il s'est mis en position d'attaque. Venons rendre. Je vous ai dit, les gars, ceux qui connaissent les chats, dites-nous si c'est normal. Mais pourquoi il fait ça? Je sais pas, il allait t'attaquer. Hein. Position d'attaque, en mode de les épaules comme ça gonflées. Moi, c'est mon ami. T'as quoi dans les mains? T'as pas de bonbons, j'espère. Okay. Cache tes bonbons. Tu vois, il s'allonge, tu vois, il est gentil. Ça va? En fait, c'est son territoire ici. Ah, c'est son terre-terre. C'est son territoire. Ah, mais c'est chez nous, accessoirement. C'est notre jardin, frère. Pour le haut, les amis, je sais que ce repas, il va être dur à digérer. Donc, il faut de la boisson. Là, personne pour me rien dire. Orangina de Mohamed. C'est parfait, ça va dans la valise. Pour le H de Mohamed. Hamid, la gazouze. Non, Hamar, non. Hamid, la gazouze. Hamburger. Ah, ouais, j'avoue, hamburger. Ça, c'est des hamburgers vraiment spéciaux, vu qu'on a pommes de terre. Viande, fromage. Pour le A de Mohamed, je me suis dit ananas, les gars. L'ananas, c'est un fruit que ça fait longtemps que j'ai pas mangé. Mais pourquoi il n'y a pas la feuille? Là, t'es comme les Pokémon. Ah ouais. Mais les gars, il n'y a plus de feuilles dans les. Ah voilà. Moi, c'est ça, pour moi, un ananas, il faut qu'il y ait la feuille comme ça. Pour le M, c'est ultra simple. Moi, manger. Mais regarde là, frère. M&M's. Je sais, je faisais ça là pour la vidéo. Ah. M&M's mini. Selon les gens, on n'est jamais. Incroyable. Ils sont tout petits. En mode médicament. Je vais quoi? J'essaie de les lancer et de les attraper. Incroyable. Les gars, pour le E, je me suis dit entremets au chocolat. Tu sais, c'est quand tu vas au restaurant. Et où tu vois qu'il y a marqué entremets dessus? Non, ça s'appelle comme ça, entremets au chocolat. C'est E. E. Hey, mec, quand t'as combien, tu prends des épinards? Quoi? 3, 2, 1, 3. Ouh! T'as combien on supprime la vidéo? Non, ça part. Et là, épinard. Eh, mais il me reste une lettre, le D. En vrai, dessert glacé. Non, le marchand de glace. Ah ouais! Mais incroyable. J'ai pas compris, là, c'est goût ananas, non? Il y a fraise. Fraise, citron, pomme. Bon, les gars, moi j'y vais. Non, arrête! 1 hour later. Tu sais pas, il prend son téléphone, il fait genre, il appelle, il va pour pas payer. J'ai dû payer toutes les courses de ma poche, c'est une dinguerie. Mais tu fais que d'appeler toute la journée, tu te prends pour un chef d'entreprise, rentre chez toi, tu m'as fait payer tout. Il est encore au téléphone, j'y crois pas. Ouais, j'appelle Mémène, tu connais pas Mémène? C'est une dinguerie. Lui, il connaît toute la France, même le président. Ça m'arrive comme ça, ouais, désolé, là, j'ai pas pu voir ton appel, je suis vraiment content de faire le prénom Mohamed parce que c'est le meilleur prénom. Vous savez que nous, les musulmans, notre prophète s'appelle Mohamed, c'est celui qui est béni, il a les meilleurs comportements, c'est le meilleur des hommes, super généreux, et nous, on essaie de se rapprocher même si on pourra. Jamais. Donc on commence par le O et on a choisi Orangina. Ah mais juste, tu sais qu'Orangina c'est la boisson des fêtes ça. Ouais, j'avoue, quand tu vas dans les mariages, même si j'y vais jamais, toujours s'asseoir, bismillah. Faut jamais boire debout. Arrête de me tenir, je vais tomber. Je mets de l'Orangina les gars. Ensuite après le O, on a le H, on a choisi hamburger. Ça se dit hamburger, pas hamburger. Non, on dit, en anglais on dit hamburger. Tu parles anglais maintenant? Oui, je suis anglais, j'ai le droit. Spécial, celui-là tu le trouves que au magasin. Il est fondant, ça fait plaisir. Et t'es généreux. Est-ce que tu me laisses taper un croc dans tout ça? Parce qu'il faut être généreux. Vas-y, tape ton croc. J'arrive même pas à le prendre. Burger vraiment mou, comme une brioche. En fait, la patate, elle fond dans la bouche. Mohamed, ananas, j'ai choisi, les gars, ce fruit-là, il donne l'énergie, la patate. J'ai oublié de goûter ça. L'énergie, la patate. Je dois goûter ça? Ouais, tu fais un croc dans tout, tranquille. Ah oui, ça peut faire des fois des trucs dans la lèvre, c'est pour ça qu'il y en a plein qui en mangent pas. Et aussi, c'est grave dur à découper, vas-y, je vais essayer. Mais je vous promets rien, j'ai peur qu'on. Oh. Bon, en fait, c'est du beurre. Oh, ça se coupe grave facilement, les mecs, je suis choqué. Les gars, les fruits, c'est ce qu'il y a de bon pour la santé. J'ai choisi Mohamed avec des bons fruits acides, hein. Ça, c'est pour les vrais hommes. M&M's.
Le deuxième M de Mohamed M&M, sauf que là, c'est des M&M's mini. Ils sont tout petits. Ah, c'est vraiment minuscule. Ah, ils sont minuscules. Non, en vrai, pourquoi il y en a jamais chez nous? Bah, une bouchée, tranquille. Maman, c'est quoi? Deux M&M's. C'est pour ça que j'en achèterai pas et que vous, en avez pas à la maison. Ça sert à rien, t'en achètes, en une seconde, y'en a plus. M&M's, c'est vraiment là-bas, surtout devant une série Netflix avec un chocolat chaud. Le meilleur moment de la vidéo, t'as voulu tout goûter. Arrive au E. En E, t'aurais pris quoi, toi, en E? Escalope, elle aurait pris. Toi, t'aurais pris quoi? Moi, j'aurais pris un E tacos. Des épinards! C'est lui, on était au magasin, il m'a dit quand t'as combien d'épinards? Si, t'as dit un croc, je suis généreux, tiens. Viens prendre des épinards, un croc, un bon. Prends des épinards, ça pour la petite histoire les gars, mon coach de sport il m'avait dit d'en prendre. Il m'a dit tu prends ça, tu vas être stock, et je suis stock, alhamdoulilah, ça a bien marché. Et le dernier, on a le D de Mohamed, on a un dessert glacé, je me suis pris ça. Quand on était petit avec Yassine, il y avait un camion qui passait avec une musique, ça faisait tananana, et tu venais avec 2 euros, prenais ta petite glace. Elle est déjà fondue parce que j'ai sorti il y a un moment quand même, à force de parler frère, elle a fondu. Là mon pote. Non t'as dit mon croc. Elle est trop glace en plus, c'est sûr on va dire c'est bon. Ça rappelle les boissons par Castéric, c'est les boissons gelées. Les gars mettez vos prénoms dans l'espace commentaire, les prénoms qui auront le plus de likes. On choisira ces prénoms là pour la prochaine fois, l'épisode numéro 3. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Non, j'ai pas goûté moi. On s'en fout de toi. Mettez plein de likes et ciao ciao. C'est vraiment sérieux.